Et salut à tous, ici Monique Couchinel, et on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode, pour cette deuxième nuit, Tais-toi Phone Guy, de Five Nights at Freddy's 2, toujours en compagnie de Monsieur Freeway. De Freeway. Tu t'appelles Monsieur si j'ai envie. Oh, le ventilateur encore. Ah, le ventilateur maléfique. Maléfique, démoniaque, je dirais même, démoniaque. Ouais, on a déjà. Donc on est à la nuit 2. De beaux yeux, hein. Oui, très, très beau. J'aime bien les yeux des animatroniques, vous remarquerez cette obsession chez moi. Hein. Oui, je sais pas pourquoi, Sous les yeux du cupcake, alors les yeux du cupcake, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont beautiful. Oui, bon, moi personnellement, les yeux, bon, faut un peu, mais ouais, elle a la boîte de musique, elle a déjà failli nous avoir, mais bon, quand même pas. Tu finis à nuit 7, la boîte de musique, c'est pas ça ton problème. Donc, vérifie, c'est lui ou la fin. Pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir de différent entre cette nuit-là, peut-être la deuxième nuit et la première nuit? Alors, selon mes souvenirs, Foxy arrive à la deuxième nuit, donc on ne devra pas surveiller que ici, parce que en fait Foxy on peut le voir dans les caméras, tout en haut là avec les anciens, uniquement quand les trois là sont partis, et sachant qu'ils ne partent pas à la, si peut-être que Bonnie part à la deuxième nuit, je pense pas. Bah on va déjà avoir affaire à Balloon Boy, hein, ce Balloon Boy, Fogboy, ces trois là, Mangle je pense aussi, oui bah Mangle s'en va aussi, hein, oui bien évidemment, sinon ce serait pas drôle. Balloon Boy est à côté de nous, hein, vraiment ce garnement, et ça commence bien, il est 1h quand même, 1h du matin. Donc voilà, donc Foxy sûrement si je me souviens bien. Balloon Boy encore à côté de nous, pas là. Où es-tu, Mangle? Pas là. Dans la boîte de musique, non? Peut-être, effectivement. Non, elle n'y est pas. On va aller se protéger de Balloon Boy, surtout. Alors, Balloon Boy, lui, ne fait pas de jumpscare. Parce que lui, Balloon Boy, qu'est-ce qu'il nous fait? Ben, il rigole. Et il attire donc ses amis animatroniques à nos côtés. Et il t'enlève ses piles. Et il fait bugger notre lampe torche, effectivement. Bah oui, parce que c'est un enfant pickpocket, hein. Ah ouais, Mangle. Alors là, ceci n'est pas une image rajoutée, hein. Ah si, techniquement c'est une image rajoutée au montage, hein, de... Oui, mais ça fait jeu, pas réel, hein. Ça fait pas... Oh. Clairement, les sont pas vraiment respectueux, mais... Cette caméra, encore ça va, hein. Par contre, je suis... Foxy est devant nous. On a affaire aux deux Foxy, donc Mangle on s'en fout d'elle est devant nous, et Foxy il faut juste le spammer de lumière pour qu'il s'en aille. Comme si devenu épileptique et puis se barre. Eh oui, exactement, très 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 bonne explication. Oui. Ça bug un peu. Ouais, c'est vrai. Ah, Mangle est là, Balloon Boy est là, mais bon, on va faire en sorte qu'il ne soit plus là, hein, c'est toujours sympa. Donc cette vidéo il commence déjà, il y aura beaucoup plus de people, on peut lui dire Mangle, tu es là, oui tu es là, mais on s'en fout totalement. On va remonter la boîte de musique et on va passer voir du côté de nos trois amis s'ils sont encore là, et ils sont là, et ils sont ça aujourd'hui. On voit la deuxième tête de Mangle. Bonjour Foxy, bonjour. Foxy qui est d'ailleurs le nom d'une des questions. Ah, et Bonnie est parti. Bonnie est parti, effectivement. Tu es à côté là, non, voilà. Là, Balloon Boy est-il revenu? Non, il est pas revenu, non, il est pas là. Il est pas là. Personne. Ah, on entend le hello, hein, qui vient bien entendu de Balloon Boy. D'ailleurs, dans FNAF 3, si vous vous souvenez bien, il y a le hello. Le retour de... De beaux yeux. De beaux yeux, exactement. Bonnie, c'est un très bon son aussi. Si on va faire ça, j'ai peur de Foxy qui prend ses habitudes, mais bon. Peut-être quand même pas me prendre un jumpscare à la nuit 2 quand même, ouais, tu crois plus fort que ça. Et à quelle nuit tu penses que tu vas avoir mon premier jumpscare? Nuit 4. C'est un défi à relever. Hey, ça on peut pas dire que ça fait pas... Enfin, ça fait pas ajouter au montage, ça. Enfin, ça l'est, mais... C'est un peu chaud quand même. La luminosité... Quand même, oui, on peut entendre qu'elle fait un espèce de bruit de radio aussi. Enfin, l'animatronique Mangle. Ah, on a entendu quelqu'un de les conduire, hein, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est ce bon vieux Balloon Boy, hein, toujours le meilleur. Il est jeune, hein. Ah, il est jeune.
Il est 4h du matin. Et puis tout va bien, à la radio, alors la circulation de la météo. Donc on peut voir que cela. Et il s'apprête à aller quand même dans le conduit, mais je suis débile parce que voilà, comme ça. Ça vérifie quand même. Il fait avoir. Quand même. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir la nuit 2. C'est quand même un peu. C'est donc sur mobile. Bon, après sur mobile, on continue, on va pas s'arrêter. Je pense pas que je vais me faire avoir deux fois d'affilée. Quand même là j'ai fail. Je sais très bien où j'ai fail, mais. Il est fort, hein. D'habitude il ne le fait pas. J'arrive à faire. J'ai déjà réussi à faire les 5 premières nuits sans mourir. Il faut que je me rentraîne, oui, mais ça fait comme quelques temps que j'ai pas joué. Oui, il y a Final 2. Oui, il y a Final 2 quand même. Final 3, voilà. Final 3 avec Freddy le bourré. Le bourré, Springtrap, Lapin. Oui, voilà. On attend un peu donc. On a pu voir dans cette deuxième nuit, du coup, je vais encore plus meubler quand même. Du coup, dans cette deuxième nuit où on a eu Mangle, en tout, Mangle et Foxy. On a eu Balloon Boy. On a eu Toy Chica, bien évidemment, ça on a pu l'avoir de très près d'ailleurs. On a eu notre premier jumpscare du coup à la nuit 2, non la nuit 4 en même. Voilà, c'est pas grave. Faut que je me rentraîne, c'est pas grave. Donc bah, ils sont encore là, Toy Chica, pas vraiment, mais voilà. Méfiez-vous de la marionnette, hein. ça a l'air facile comme ça, mais. Bon, dans les dernières nuits, la marionnette est quand même vachement handicapante. Ouais. Enfin, peut-être que je sais pourquoi on a pas vraiment réussi cette nuit. On n'a pas fait le poids de la chance. Exact. Non, on n'a aucune raison de perdre. Si je perds, alors là vraiment. Mais c'est moi ou au début quand le jeu est sorti, la boîte à musique, le temps de la boîte à musique s'est coulé moins vite. Parce que je m'en souviens pas parce que en fait quand le jeu est sorti, j'ai d'abord eu sur tablette. Je l'ai acheté vers le début de 2015 sur PC. Et sur PC, du coup, je l'ai toujours connu comme ça. Toujours mon gars d'ailleurs qui s'incluse déjà. Avec, non, mais je pense que sur tablette, le temps passe moins vite. Sur tablette, je pense. L'agressivité des animatroniques. Oui, mais sur tablette, en tout cas, je pense quand même qu'on peut dire que. Enfin, je pense quand même que je compare les deux que sur tablette, c'est quand même plus facile. Enfin, j'arrive à faire beaucoup plus de nuit d'un seul coup, même si ironiquement, les animatroniques sont censés être plus agressives. Toy Chica, bonjour. Bonnie, il est là. Ah, t'as vu, je l'avais dit avant de le voir. Bonnie, il est là. Personne. Toy Freddy, tu es toujours là. Ah non, quand même pas. Mais alors, si tu n'es pas là, Toy Bonnie, Toy Freddy, tu l'as. Ah non, mais mon gueule, par contre, elle est liée. Ah, il est devant moi, Toy Freddy. Ce bon vieux Toy Freddy. Ah, c'est la magie des TP, hein. Ah oui. Ah, pas là. Pas là, t'es pas là. Ah, Toy Chica. Non, mais ne souris pas comme ça, j'apprends à te connaître. Il a l'air déprimé là. Tant pis, tiens, ce cupcake. Ah, il se rapproche, hein, oui. Il va nous faire un petit chant. C'est vrai que j'ai appris hier, on entend que quelqu'un passe dans le conduit. Là. Ah, c'est Toy Chica. Il faut aussi prendre comme quand on joue à plein feu. Voilà. Dès que la caméra sort, se faire comme ça et mettre son masque directement. Non, je ne pense pas être mort. Non, j'ai réussi à éviter Toy Freddy. Voilà. Parce que voilà, surtout dans les nuits suivantes où il y aura les vieux animatroniques qui nous attaquent de cette façon-là. Bonjour Balloon Boy. Car les vieux animatroniques, en fait, quand on enlève notre caméra, sont devant nous et ils sont obligés de mettre le masque. C'est pour ça qu'il faut avoir le réflexe à partir de certaines nuits, de la nuit 3 surtout, si je me souviens bien. Oh, le réflexe toujours comme si. Et même quand il gagne de Dunkin, il y a un lutte, il faut pas la tête de mettre la caméra ou pour avoir une caméra. Ouais, mettre son masque. Donc si lui s'en fout de notre masque animatronique, lui il s'en fout. Eh, on le voit pas sur le monde, mais non. Eh, t'as connu, c'est sympa. Je sais pas, bon, lui par contre, là on peut se sentir comme on veut. On peut mourir, t'es Chica, toi je vais faire attention à toi, hein, t'inquiète pas, il est 3h, tu peux me laisser avoir deux fois. Espérons. Espérons, voilà. Je sais pas pourquoi.
là où tu vas voir la nuit. Et il y a les fameux cheats. Hein. Le cheat CDN+, mais bon. On va pas les utiliser. Non, c'est pas, pas marrant. Utiliser. Mais on vous le dit, hein, c'est des. Je sais même pas, si. Est-ce qu'on peut, tout débloquer de cette façon-là, enfin, est-ce que si on l'utilise, on peut avoir genre les 3 étoiles, mais elles restent tout le temps, ou alors au bout d'un moment, elles sur ça, c'est une bonne question, faudra qu'on vérifie et qu'on vous le dise. Oui, enfin, qu'on vérifie. Au pire, je prendrai à certaines personnes. Oui. Bah, je crois qu'on vient de recommencer pour tester, mais je sais pas si on peut les avoir jusqu'à n'importe quand, si, enfin, si on peut justement passer à une nuit. Par exemple, à une nuit custom. Je pense pas que les custom marchent. Parce que si c'est débloqué à vie, de cette façon-là, je pense pas, je suis pas sûr. Faudrait tester. Il faudrait tester. Voilà. Je vois quand même que ça devient déjà plus tendu la lune. Avec aussi comment sûrement enlever. Il y arrive en tout cas, lui là on est sûr, hein, là on peut pas le louper. Ah, il nous sourit gaiement. Il est 4h, on va pas mourir à 4h. Voilà. Assez grave le FPS. Oh oui, ah, est-ce qu'on va mourir? Est-ce que ça signifie la mort? Pas l'air de signifier la mort. Oh, bon, c'est le FPS. Ah, Balloon Boy. Le meilleur. Attends un petit peu, il faut que je un peu. Voilà, donc il faut pas enlever. C'est bon, on entend bruit, tiens. Je crois bien entendu, en tout cas. Donc, en tout cas, on a pu voir que en fait si jamais j'ai gardé j'ai pas gardé le masque de Freddy très longtemps, parce que si je le gardais trop longtemps en fait il allait me tuer. Très dangereux. Oui, la mort est très dangereuse, hein, en ordre général. Vous pourriez étouffer dans un masque, c'est assez lui. Bah quand on regarde, je sais plus si je l'ai zappé le game over de tout à l'heure, enfin l'image. En fait on voit à travers les yeux de Freddy, les yeux du masque de Freddy, on voit Freddy qui nous observe. Et la théorie voudrait que. Eh, il est 6h, il a réussi le deuxième coup quand même. Bon, je suis pas très fier de moi quand même. Je voudrais c'est long à expliquer, mais en gros les animatroniques vont nous mettre dans un costume d'animatronique. C'est une de ces fameuses cinématiques qu'il y a entre certaines nuits. Par exemple, la nuit 2 et la nuit 3, on voit dans les yeux de Freddy. Là par exemple, on voit Bonnie qui nous regarde. Son regard change au fur et à mesure de ce côté-là, il est Bonnie. Ça a l'air, quand on regarde, là de ce côté-là, il y a Chica. Ça a vraiment l'air d'être le premier restaurant du premier. Déjà, les modèles de Bonnie et Chica, et même il y a la taille. C'est la fin de cette vidéo, malheureusement. It's me était marqué en haut, It's me, je sais pas si vous l'avez vu. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, on va pas faire la troisième minute tout de suite, hein. On va attendre un peu pour qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, en espérant que cette vidéo vous a plu. Donc je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Alors au revoir et salut tout le monde.